Bonjour Monsieur le ministre. Oui, bonjour. Et ce samedi, l'assainissement encore décrété par le gouvernement, on voit que vous êtes en action. Monsieur Diallo Moukta, ministre de la Jeunesse, il faut rappeler. Alors dites-nous un peu comment ça se passe ici chez vous à Nongo. Oui, conformément à la décision de notre gouvernement de consacrer le dernier samedi de chaque mois à l'assainissement, par une mobilisation citoyenne, avec le principe que chacun nettoie chez soi, faire de la salubrité une question de vie. C'est pour cela que, comme vous le constatez, dans mon quartier chez moi, ici à Nongo, je suis en train de travailler avec les habitants de ce quartier pour faire en sorte que notre quartier soit très propre, où il fait bon vivre. Bon, il est vrai que quand même ce n'est pas le grand engouement, il faut le reconnaître. Alors comment on peut expliquer ça et qu'est-ce qu'il faut pour justement pousser
pour inviter les gens à se mobiliser davantage pour cette action quand même qui est salvatrice. Oui, comme vous l'avez dit, au niveau de Conakry, ce n'est pas un grand engouement. C'est un constat qui a été fait par notre gouvernement. Cependant, nous avons décidé de continuer l'action par la sensibilisation. Vous savez, comme on dit, tout début difficile. Les Guinéens n'étaient pas habitués à cette démarche citoyenne. Et donc, il faut du temps pour qu'ils s'approprient de cette journée. Et c'est pour cela qu'on a dit qu'on ne va pas mobiliser formellement, parce que le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, pour mobiliser tous les jeunes à travers des rencontres, à travers des actions concrètes. Mais cela pourrait susciter des demandes de financement ou un paiement de l'action qui sera vu comme un service rendu, comme on l'avait fait à un moment. Mais de mobiliser 100 jeunes par quartier, mais ce sont des gens qui recevaient des perdièmes. Effectivement. Voilà, et cette fois-ci, pour ne pas susciter cet intérêt matériel et financier auprès des jeunes, nous avons décidé au niveau du ministère de la Jeunesse de ne pas les convoquer formellement, mais d'inciter quand même les gens, parce que c'est un acte citoyen. De servir l'exemple, c'est pour cela que vous constatez ici, et nous sommes là, c'est, les gens du quartier sont mobilisés, il y a ici notre autre côté, donc pour montrer effectivement que les gens s'intéressent aussi, mais nous sommes sûrs que petit à petit, les Guinéens comprendront l'esprit de cette décision qui est de faire de la salubrité une question de tout le monde et que chacun est intéressé à cela. Donc c'est pour cela et ça se passe très bien. Vous avez vu, en tout cas ici, il y a un engouement, il y a une mobilisation. Et vraiment, ça continue de la plus belle manière, en tout cas ici, dans notre quartier. Et c'est sûr que ça va, dans d'autres quartiers aussi, c'est la même chose. Et petit à petit, les Conakrika en feront... Une habitude. Voilà, justement. Une habitude, et ça deviendra un réflexe. Ok. Merci beaucoup, monsieur le ministre. C'est moi qui vous remercie. Et bon courage. Merci beaucoup. Merci. Naré Guinée Matin, Sinaï Guinée Matin, oui. Tiens-toi.